Alors bonjour, je m'appelle Cédric Baudin, je suis jardinier à la ville de Lausanne. Nous avons planté des arbres fruitiers. C'est un projet de collaboration entre la ville de Lausanne et le quartier de la Bourdonnette qui fête ses 50 ans cette année. Et le projet était de faire participer différents enfants de différents âges à cette plantation. Donc par groupe, ils sont venus travailler avec nous pour planter, pour prendre des pelles, mettre la terre, reboucher les trous, faire des cuvettes pour l'arrosage. Et le but un petit peu de cette collaboration, c'était d'expliquer aux enfants comment est-ce qu'on fait pour qu'un arbre pousse et puis pour avoir des fruits dans plusieurs années, leur expliquer un petit peu les différentes étapes de la croissance d'un arbre fruitier. Et ils étaient très contents de ce petit moment d'évasion à l'extérieur. On a planté 4 pommiers, 2 poiriers, 2 cerisiers. Et chaque arbre fruitier est une variété différente. C'est d'anciennes, très anciennes variétés qu'on peut trouver chez différents producteurs en Suisse. Et c'est un petit peu pour se rappeler ce que nos grands-parents et nos ancêtres mangeaient à l'époque. Surtout, les différentes variétés vont permettre aux insectes pollinisateurs de venir et de mélanger différents pollens. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça va apporter une plus grande garantie par rapport à la fructification de ces différents arbres. Alors tout d'abord, c'est vrai qu'après une plantation et puis suivant les périodes de l'année, les étés qu'on a eus qui étaient quand même assez chauds et secs, il y aura l'arrosage qui sera déjà, je dirais, une des choses la plus importante. Après, il y aura tout le travail en hiver, une fois qu'ils auront perdu leurs feuilles, la taille de ces arbres fruitiers, parce qu'un arbre fruitier ne se taille pas vraiment la même chose qu'un autre arbuste ou un autre arbre qui ne fait pas de fruits. Il y a différentes sortes de rameaux, des rameaux à bois et des rameaux à fleurs. Et c'est justement ces rameaux à fleurs qu'il faut tailler différemment pour que les fleurs arrivent et que les insectes puissent venir butiner et ensuite que les fruits puissent arriver. Parce que sans fleurs, au final, il n'y a pas de fruits. Là, ils ont déjà entre 5, 6, peut-être certains 7 ans. Et il faudra encore, je pense, 3-4 ans avant qu'il y ait vraiment quelques fruits sur ces arbres fruitiers. Juste une chose, respecter en fait les endroits où on a planté ces arbres et puis où il y a des zones, on va dire, vertes, avec du gazon, avec des fleurs, avec différentes graminées. Faire attention peut-être de ne pas arracher ou de ne pas piétiner ces endroits-là. Et puis après, c'est plutôt, je dirais, le travail du jardinier qui va laisser pousser l'herbe à une certaine hauteur. Et puis justement, ces herbes, ces différentes herbes qu'on peut trouver dans les gazons vont amener et vont faire que des insectes vont arriver. Et la venue de ces insectes, en fait, vont aider grandement à venir butiner et puis, comme on disait avant, provoquer la fleur pour qu'elle donne un fruit.